Et là, elle doit juste attaquer un tout petit peu plus, Marie. La porte est ouverte pour nos deux Canadiennes. On doit donner juste un peu plus au niveau de l'agressivité. On a entendu Marc-André lui dire, un peu plus agressive. Allez, Justine. Bien parti sur le saut du haut. Allez, reste fluide. Faut rester souple. C'est bon. Elle garde les skis bien collés ensemble. Les skis pointés vers le bas. Beaucoup plus d'engagement de sa part, c'est ce qu'il fallait. Et là, elle ralentit un tout petit peu trop. Et là, elle reprend le rythme. Allez. Belle amplitude, oui. Belle exécution! 31-56, Justine Dufour-Lapointe. C'est déjà plus rapide. Pour le podium, pour le podium. Il y a eu des petites erreurs, Marie. On ne parle pas d'une descente parfaite. Par contre, le 360 était de toute beauté. Par contre, sur le saut du bas, c'était tout près de la perfection. Regardez-moi ça, les skis bien parallèles, bien tendus. Relève la vision pour finir avec les genoux bien angulés. Ouh! Alors, voyons voir. Ça regarde très bien, Marie. Si elle ravit la première place, c'est... Oui! Oui! Un podium pour Justine Dufour-Lapointe, Dominique! À ses premiers Jeux olympiques! C'est extraordinaire! Wow! C'est extraordinaire! Et là, on voit Steve O'Michel, Marc-André Moreau, les entraîneurs qui peuvent être fiers. Et là, voyons voir de quelle couleur ça sera, Marie. Et on a vu qu'Anna Kearney n'était pas dans sa meilleure forme. Hein? Non, et en plus, c'est ça. La porte est ouverte, peut-être, allez, même pour Chloé, la médaille d'or. Chloé Dufour-Lapointe, donc, la Benjamin de la famille. Allez, pousse au départ et on attaque tout de suite. 360. Allez, Chloé. Bien exécuté, là. Faut rester souple. Ça servait de ton absorption, qui est extraordinaire. C'est la meilleure technicienne. Et je vois ici une Chloé qui veut y aller sur le podium avec sa sœur. Elle garde les skis bien collés ensemble. Fluide à l'approche du saut du bas. Se laisse monter. Les skis bien croisés. Allez, Chloé. Un bon temps. 31-71. Oh! Marie. Dominique. On se rapproche là d'un super doublé canadien. On va voir. On retient notre souffle. Ouf. Ça, ici, Justine avait un peu plus de hauteur. Par contre, elle a une meilleure technique à la sortie de l'atterrissage. Se laisser monter. Elle a bien croisé les skis quand même. C'est mieux que ce que je pensais donc à la reprise vidéo. Je commence à être un peu plus confiant. Et normalement, c'est l'inverse. Alors, voici la note pour Chloé. Deuxième! Elle sera sur le podium! Oui! Deux sœurs Dufour-Lapointe! Doublé canadien! Doublé canadien dans l'épreuve des bosses!